Bonjour à tous, Étienne de Top 4 Phone, bienvenue au MWC 2015 à Barcelone. Je suis sur le stand de Huawei et je vais vous présenter, en tout cas une présentation rapide, du Mate 7, le flagship de la marque qui devrait faire très mal à la concurrence pour cette année 2015. Huawei qui monte en flèche ces deux dernières années. Et donc ce téléphone Mate 7, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Déjà c'est un phablet avec une taille d'écran de 6 pouces, Full HD 1920x1080 pixels. Il tourne sous un 2x quad-core, un faux octa-core, 4 x 1,8 GHz et 4 x 1,3 GHz sur un CPU Kirin fait maison. Concernant la peine, nous avons 13 millions de pixels à l'arrière, nous avons 5 millions de pixels à l'avant, le tout tourne sous un Android 4.4, donc du KitKat. Ce n'est pas du Lollipop, avec une surcouche maison très agréable à regarder qui s'appelle MIUI 3.0. En tout cas pour la version, c'est la 3.0. Vous avez 2 gigabits de RAM, donc de mémoire vive. Vous avez 16 gigabits de ROM, donc de mémoire interne. La batterie de 4100 mAh, quelque chose d'assez grand effectivement et d'assez important. Évidemment, pour pouvoir nourrir cet écran imposant qui fait 6 pouces, et ça devrait normalement en toute théorie suffire pour pouvoir tenir la journée. Concernant le poids de ce téléphone qui est assez imposant, il est optimisé à 185 grammes. Et compte tenu des matériaux premium utilisés et de la taille de la bête, croyez-moi, c'est quelque chose de plutôt optimisé. Quelque chose de bien, vous avez une reconnaissance des empreintes digitales aussi qui a été implémentée sur le téléphone. Bien entendu, le téléphone supporte la 4G. Alors attention, il y a différentes versions, mais il y a une version compatible avec la 4G européenne. Donc pas de souci. Bien entendu, vous avez du Wi-Fi, du Bluetooth 4.0, du NFC et du DTS100. Donc voilà, vous avez aussi du double SIM bien entendu, donc très bien. Voilà en tout cas pour quelques petites informations rapides concernant ce nouveau téléphone. J'espère que je pourrai vous le tester plus en profondeur assez rapidement. À tout de suite pour d'autres tests encore et d'autres présentations. Salut.